roi des rois et seigneur des seigneurs. Ainsi apparaît Jésus dans l'Apocalypse, enveloppé d'un manteau trempé de sang, car il nous a aimés et s'est livré pour nous. Lorsque Pilate lui demande « Tu es donc roi ?» il répond « Tu le dis, je suis roi, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. » Et c'est pour un règne qui n'aura pas de fin, comme l'annonce l'ange Gabriel à Marie. Le roi est investi d'un pouvoir légitime pour régir ses sujets et ordonner leurs activités vers le bien commun, compte tenu de leurs conditions matérielles et spirituelles de personnes libres. Pour cela, il établit des lois que tous doivent accomplir, de gré ou de force, sous peine de sanctions. Il peut se faire qu'un roi, par l'excellence de sa personne, sa beauté, sa noblesse morale, sa bonté envers tous, la sagesse de son gouvernement, s'attire le cœur de ses sujets et obtienne leur libre assentiment par amour plus que par force. C'est de loin le gouvernement le plus efficace, car celui qui règne sur les cœurs règne totalement, rien ne lui échappe. Le cœur qui aime en vérité se met lui-même et tous ses biens à la disposition de l'être aimé. C'est ainsi que les prophéties de l'Ancien Testament nous présentent le roi à venir comme le plus beau des enfants des hommes, plein de grâce, béni de Dieu, vaillant au combat pour la cause de la vérité, la piété, la justice. Son sceptre est sceptre de droiture. Il domine jusqu'au cœur de l'ennemi. C'est là son désir profond, conquérir le cœur de ses ennemis et les transformer en apôtres au cœur de feu, comme il l'a fait pour saint Paul. Jésus se présente comme celui qui vient réaliser ses prophéties. Il est le beau berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, qui ramène sur ses épaules celle qui est égarée. Les brebis écoutent sa voix. Sur de verts pâturages, il les conduit vers la demeure de Yahvé pour la longueur des jours. Aucune imposition despotique, aucune violence, mais la force persuasive d'une invitation à ouvrir son cœur à l'amour de Dieu qui appelle. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Aimer et être aimé, n'est-ce pas le désir le plus profond et le besoin le plus essentiel de l'homme? C'est aussi la loi fondamentale du royaume de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce commandement, seul Jésus a pu le réaliser en plénitude dans son cœur humain, formé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il l'a vécu jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aimait. Par son cœur transpercé, Jésus nous communique son esprit d'amour qui nous permet d'aimer comme il nous a aimés et de réaliser la civilisation de l'amour. Seule cette civilisation est capable de redresser la société et de changer le climat conflictuel dont souffre l'humanité à tous les niveaux, depuis Caïn qui tue son frère jusqu'aux guerres qui continuellement désolent le monde. Préparer la fête du Christ roi, c'est s'engager à travailler à cette civilisation de l'amour, en éradiquant de notre cœur les germes d'égoïsme toujours renaissants. Écoutons l'exhortation pressante de saint Paul aux Philippiens. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul cœur, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne cherchez pas vos propres intérêts, mais plutôt que chacun pense à ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de Jésus. Cet idéal, vécu dans tous les rouages de la société,
est une prédication vivante qui interpelle. Regardez comme ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. Que tout soit un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé, demandait Jésus à son Père. Pour cela, nous avons besoin d'aller puiser à la source de l'amour qu'est l'Eucharistie, agglutinant divin qui nous unit à Jésus et entre nous, réalisant dès ici-bas le royaume qui se consommera dans l'éternité, où Dieu sera tout en tous, roi et centre de tous les cœurs pour toujours.